Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo The Story Begins sur le manga Courrier des Miracles. Ça fait un moment que je voulais vous le présenter, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2017 et donc aujourd'hui je vous présente Courrier des Miracles. C'est un seinen publié aux éditions Komiku et écrit et scénarisé par Noboru Asahi. J'ai trouvé aucune autre information sur ce mangaka donc je suppose que c'est son premier manga. La série a été publiée à partir de 2011 au Japon, elle est terminée en 3 tomes et elle est terminée aussi en France, elle a été publiée en 2017. Le manga est entièrement en noir et blanc, il est au prix de 7,90€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Le héros de l'histoire s'appelle Makoto Muras, un adolescent banal de 17 ans qui mène une vie ordinaire. Il va dans un lycée, il a des notes dans la moyenne, il a une petite amie et il habite avec son papa et sa sœur. Pour résumer, on pourrait dire qu'il mène une vie assez simple, même si certains adolescents pourraient l'envier puisque c'est pas donné à tout le monde d'avoir une petite amie ou des notes dans la moyenne. Mais lui, pourtant, cette vie, elle l'ennuie. Il en a marre de la routine et il ne tire plus de plaisir de mener cette vie qui est toujours semblable. Un jour, il va sauver la vie d'un pigeon qui est attaqué par un corbeau et à partir de ce moment-là, sa vie va complètement dérailler. Il va d'abord se faire quitter par sa petite amis, puis le soir même, il va avoir un accident de scooter et il va se réveiller dans un monde entièrement blanc où il y a trois personnes, le pigeon qui l'a sauvé, une jeune fille qui s'appelle Kaori et un espèce de fantôme. C'est ce fantôme qui va lui révéler qu'il est actuellement dans le coma, qu'il ne peut pas regagner son corps et il va lui proposer de l'aide. Alors cette aide, c'est pas une aide gratuite puisqu'il va devoir, pour pouvoir entre guillemets ressusciter, travailler et ce travail ça va être de livrer des miracles, d'où le titre Courrier des Miracles. Il va se rendre compte aussi qu'il a plus du tout le même physique qu'avant, il a par exemple les cheveux blancs et donc on va lui expliquer que c'est pour pouvoir aller accomplir sa mission sur Terre, il peut pas avoir le même physique puisque sinon des gens pourraient le reconnaître. C'est donc sous cette nouvelle apparence et accompagné du pigeon qu'il a sauvé qu'il va aller livrer des miracles, mais c'est une mission pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et oui, vous y croiriez, vous, si quelqu'un venait toquer à votre porte pour vous livrer un miracle? J'en dirai pas plus pour le résumé, mais j'espère que je vous ai intrigué parce que c'est vraiment un manga que j'ai beaucoup aimé. Et il est très court, donc c'est vraiment un avantage puisque, pour une fois, j'ai pas été déçue par la fin. Puisque dans les séries courtes, souvent, je suis déçue. En premier lieu, ce qui m'a attirée dans ce manga, c'est le dessin de la couverture que je trouve très très beau et très très doux. Il ne faut pas s'attendre à avoir exactement le même genre de dessin à l'intérieur. Bien sûr, le personnage ressemble au personnage de la couverture, mais le dessin est très simple. Mais c'est fait pour coller à l'histoire puisque au moment de l'accident par exemple il va y avoir un côté très sombre pour refléter la catastrophe et une fois qu'il est dans l'espèce de paradis où il y a le fantôme, le pigeon et Kaori, ça va être tout blanc et donc ça reflète exactement l'image qu'on se fait en fait d'un espèce de paradis blanc, enfin voilà, donc ça colle bien à l'histoire mais il faut pas s'attendre à quelque chose de très très détaillé. Pour l'histoire à proprement parler, j'ai beaucoup aimé et pour un adolescent banal, je trouve que l'histoire n'est pas banale et peu commune et donc c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé, surtout que j'ai pas été déçue par la fin comme j'ai déjà dit, mais c'est vraiment un gros point positif pour moi. Ensuite, je trouve qu'on aborde un peu la thématique de Dieu et c'est un peu un angle intéressant. Moi, je suis athée, donc je ne crois pas en un Dieu et tout ce qui est manga qui sont très très religions, ça me pose un problème, mais là ça offre une possibilité très ouverte sur qu'est-ce que c'est Dieu, et donc ça m'a beaucoup plu aussi. Comme vous l'aurez compris, j'ai adoré cette série et c'est pour ça que je vous la présente, c'est pour ça que c'est un coup de cœur 2017. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ce manga, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!